Non, sérieusement. Ils ont mis une barrière électrique pour protéger un placard avec un Starkos et une boîte de kabobs dedans. Ils sont fous, ces sections Alpha. Bonjour YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Beyond Good and Evil. Dans le dernier épisode, on a pris la première des trois photos qui... Oh. Oh, je vais pas aimer cette salle. Ah. Donc on a progressé pour prendre la première photo pour le reportage, et on a commencé à s'infiltrer dans la seconde aile pour prendre la seconde photo. Et aujourd'hui, on va s'atteler à choper cette deuxième photo. Mais d'abord, il va falloir passer une salle très chiante. Oh oui, d'accord. Ok, d'accord. Blablabla. Aïe, mais aïe, mais aïe, mais... Caméra! Là. Section Alpha de merde! Et comme vous avez pu le voir, après qu'on ait causé tout ce bordel, les sections Alpha ont envoyé un drone de nettoyage. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes pris dans ces rayons au moment où ils tirent, vous êtes mort instantanément. Mais ici, on a un AP1. Et maintenant, on va repasser dans la salle en sens inverse. Putain, mais cette survie fait de merde. Bon. Bizarrement, à chaque fois que je suis dans cette salle, il se passe tout. J'ai toujours des problèmes. Allez savoir pourquoi. Ici, on a une salle avec une perle, mais on n'a pas l'air d'avoir de moyens de s'y infiltrer pour l'instant. C'est comme ça qu'ils transportent les victimes. Bon, si tu viens seulement maintenant de le découvrir, on l'a vu depuis au moins je sais pas combien d'épisodes qu'ils les transportent là-dedans. Ici, on a une autre salle qui va être légèrement chaude à gérer. Notamment, il va falloir se faufiler. Bon, j'ai eu ma perle, je suis content. Cette zone est super stressante pour le simple fait que... Enfin, plus que les autres zones avec des sections alpha, cette zone est super stressante à cause du fait qu'il y a des lasers qui peuvent vous one-shot dedans. Et je veux pas tenter ma chance... Je veux pas tenter ma chance en repartant à partir d'ici. Je préfère recommencer la salle depuis le début plutôt que de prendre des risques considérables. Quand même, c'est pas joyeux la vie de section Alpha. Je me demande bien ce qu'ils peuvent faire pendant leur temps libre ou même pendant qu'ils patrouillent ces zones sans rien faire d'autre. Franchement, ça doit être, je sais pas, ça doit être crevant de répéter toujours la même action encore et encore. Ce que je voulais voir, c'est où mène cette porte en fait. Ah, d'accord, ok. C'est pour revenir en arrière. Donc, du coup, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que je peux ouvrir cette porte-là? Aveugle, c'est horrible, sérieux. Oh là là. Si vous m'excusez. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, si vous voyez bien, il y a une boîte de fusibles ici. Ce qui veut dire que on va encore devoir aller en récupérer. Et j'aurais dû taper dans ce truc avant. Voilà.
Là, c'est déjà réactivé? Je crois que je vais... Pas grave. Donc ici, on a des fusibles et des mines. Quelle merveilleuse combinaison. Et prendre ce fusible désactive la barrière électrique qui nous bloquait le chemin. Mais si je me souviens bien, il n'y a pas un deuxième fusible. Ou alors je pense à un autre endroit. Je vais penser à un autre endroit. Maintenant que ça s'est fait, on peut continuer. Ah, j'adore cette musique. Alors, je me souviens plus comment est-ce qu'on fait pour le passer, ce mec. Enfin, non, de toute évidence, c'est pas comme ça. Aïe. Ouh, fuck. Fuck, 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 fuck. Demande autorisation au nettoyage, zone. Fuck, 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 fuck. Toi, tu vois, j'ai même pas envie de prendre la peine de te... Toi, là, tu viens de... Tu viens de... Je sais pas, de... Tu m'as énervé, voilà ce que t'as fait. Tu m'as énervé. Hop. Derrière ce clampin, on trouve un autre AP1. Ainsi que plein de caisses d'argent inutiles. Parce que sérieusement, on a déjà acheté tout ce qu'on a acheté. En quoi est-ce que plus d'argent va nous être utile? Sérieux. Bon. Il n'y a pas censé y avoir du blush ici normalement. Alors, ah non, non, non. Non, je dis de la merde. Non. Allez. Oula. Qu'est-ce qui vient de se passer là, comme juste? Bon, pas grave. Ici, on a la pièce qu'on a vue tout à l'heure, mais à part ça, rien d'intéressant. Encore des sous inutiles et des drops de FPS. Fuck. Fausse alerte. Il y a un peu fausse alerte, c'est ça. Éloigne-toi. Oh putain, mais c'est pas vrai. Est-ce que mes réflexes d'infiltrateur sont vraiment si rouillés que ça? Et pourquoi est-ce que j'ai aussi peu de FPS? Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle je suis venu ici? Non. Et ils sont quand même vraiment aveugles de ne pas me voir ici. Sérieusement. Ah, mais... Bon, vous savez quoi, j'en ai marre. Aïe. J'en ai ras le bol. Alors, on va y aller à l'ancienne. Ou mourir en essayant. Aïe. Aïe. Oh la ferme. C'est bon là, j'en ai ras le cul.
Vous avez déclenché ma colère. Et maintenant, vous allez en payer le prix. Voilà, merci. Alors, parce que je veux bien m'infiltrer dans les endroits en étant discret, mais là, donc, quand il y en a marre, sérieux. Pour la peine, je vais manger du kebab, tiens. On prend mon fusible. Shut up and take my... Je sais même pas comment ça se dit fusible en anglais. WH, j'ai quadrillé le secteur par là-bas. Truffée de garde, mais rien pour le reportage. Vous avez réussi à vous faufiler. Continuons, je crois qu'on approche. Ok. Mais en fait, il a même pas bougé de cet endroit, en fait. Bravo. T'es exemplaire. Et nous voici de nouveau dans la salle centrale. Vous savez ce que ça veut dire. C'est là que transitent les victimes. Allez-y, je couvre vos arrières. N'oubliez pas de prendre une photo. Deux sur trois. Bon. Il en reste plus qu'une à prendre et après on pourra se tirer d'ici. Et le plus tôt ce sera fait, le mieux je me sentirai parce que cet endroit me donne vraiment... pas les chocottes, mais me met mal à l'aise. Et maintenant, le troisième endroit. Il est un peu plus chaud à trouver parce que il y a, si je me souviens bien, ouais, il y a des mines qui gardent l'entrée, mais bon, c'est une protection qu'on a prouvé déjà par le passé être insuffisante. Et pourquoi la musique se réactive maintenant? Slalom, voilà. Donc voilà le troisième point d'ancrage. Le troisième et final même point d'ancrage. Okay. Avec non seulement de la bouffe pour nous, mais aussi pour le Warcraft. Une boîte de Kabobs régénère. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. D'ailleurs, je devrais peut-être commencer à donner plus de d'AP1 à WH. Il y en a combien? 4. Soyons généreux, allez. Et l'aile est, la dernière et finale, et je me suis retrouvé pour faire la même chose. Et là, cette scène-là, je la trouve juste trop épique. C'est une des raisons pour laquelle je trouve que WH est un super sidekick. En foutant un coup de pied dans cette boîte électrique, on débloque un chemin jusqu'à un panneau de sauvegarde. Et ce qui va nous intéresser. Je vais explorer le secteur par là. On se suit en parallèle. Soyez prudent. Et ben voilà, comme doublage, je viens de le dire. Mais je vais pas le faire tout de suite, parce que sinon, je vais encore me retrouver en plein milieu du truc en n'ayant pas prévu une sauvegarde. Et attends, t'as un truc. Et personne ne sait rien à propos de ce qui se passe ici. C'est monstrueux. Le troisième point d'observation, mademoiselle Jade. Faut atteindre le troisième point d'observation. Ouais, tu dis des trucs, quoi. Et... vache, ça doit être vachement douloureux de rester comme ça, à se prendre des dans la tête.